Salut à tous et à toutes, c'est Xvecneuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale qui va commencer tout de suite. Là c'est juste une petite intro. Et c'est une vidéo très spéciale, c'est mon top 5 mode, mon premier top 5 mode. Et oui, je me lance un peu là-dedans avec un magnifique coucher de soleil d'ailleurs. Je me lance un peu là-dedans, j'en ferai peut-être. Là c'est des modes 1.5.2. J'espère bientôt le faire en 1.6. Et on commence tout de suite avec le cinquième mode. Et donc le cinquième mode qui est Optifine. Donc pourquoi je le mets à la place 5? Donc la place la moins bien, mais il figure quand même dans ce top 5 mode. Alors j'aurais pu en mettre un autre. Donc parce que je trouve qu'on zoom seulement, enfin on peut seulement zoomer. Je trouve que c'est un peu incomplet pour un mode, mais sinon une idée vraiment sympa. Sympa, et si j'oublie des choses, dites-le-moi dans les commentaires. Mais pour moi, on peut seulement zoomer, donc c'est pour ça que je le mets à la cinquième place. Donc on se retrouve tout de suite pour la quatrième place. Et pour la quatrième place, on retrouve le mode Timber. Donc pourquoi le mode Timber en quatrième place? Parce que je trouve que c'est un mode vraiment bien pour les débuts en survie un peu chiant où il faut couper des arbres. Et vous voyez, si je coupe le tronc, tout l'arbre descend. Donc vraiment un mode très très utile. Et pourquoi je le mets à la quatrième place? Parce que je le trouve quand même un peu trop cheaté. Par exemple, sur la jungle, si vous coupez un tronc, un des quatre troncs, tout l'arbre descend. Donc je le mets qu'à la quatrième place pour cette caractéristique qui, à mon goût, peut être changée. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième place. On rentre dans le top 3 et on commence à avoir des modes vraiment pas mal. Et pour la troisième place, on se retrouve avec le mode Rise Minimap. Donc Rise Minimap, qu'est-ce que c'est? C'est la petite map en haut à droite que vous voyez. Donc une map vraiment bien. Vous pouvez mettre des waypoints comme ça, des trucs comme ça. Et des waypoints quoi, pour vous repérer dans la map. Ou même, voilà, pour vous repérer dans la map. Et on se retrouve... Enfin, oui, je voulais dire, ou même avoir une grande carte pour avoir la map en beaucoup plus grand. Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième mode. Et à la deuxième place, on retrouve le mode Extra Biome XL. Donc c'est un mode qui vous rajoute tous ces arbres d'automne, ces magnifiques dunes, ce magnifique carrière de pierre, qui rajoute plein de trucs comme ça. Et c'est totalement magnifique, donc vous voyez ça, hein. Regardez, je vais en prendre une. Willow Autumn Leaf, des feuilles d'automne orange. Donc vraiment un mode très sympathique. Et on se retrouve pour la première place. Pour la première place, on se retrouve avec le mode Too Many Items. Oui, pas beaucoup d'originalité, mais bon, pour une première place, je trouve que c'est... C'est un mode incontournable parce que c'est un des premiers modes, je suis sûr, qui a existé sur Minecraft. Et qui peut, je pense que ça c'est un mode, quand vous commencez à en avoir marre du survie, vous n'avez pas mis le cheat et tout, vous voulez garder votre monde. Je pense que ça c'est vraiment un mode mais superbe. Et je pense, enfin, perso pour moi ce mode c'est le meilleur mode, enfin un des meilleurs modes qui existe sur Minecraft. Minecraft, excusez-moi. Minecraft, ça se dit aussi, bon, bizarrement. Et vous pouvez vous give tout et n'importe quoi. Donc voilà, voilà que je me give. Allez, une armure en diamant parce que je suis un fou. Enfin, du stuff en diamant. Et tout le reste en bloc de diamants parce que je suis riche. Et ben voilà, vous pouvez. Et vous êtes pareil, ou alors si vous voulez vous faire un début en vous givant juste quelques trucs, et bah voilà, ce mode est fait pour vous. Donc merci d'avoir regardé, je sais que ce n'est sûrement pas le top 5 mode le meilleur du monde, je sais, on peut toujours faire mieux, je m'en doute, c'est mon premier, donc soyez indulgents s'il vous plaît, j'essaie de faire de mon mieux, et moi je vous dis, les gens, ciao, bye bye, c'était Xvecneuf pour son premier top 5 mode 1.5.2. Et je pense que les modes que je vous ai présentés sont. La plupart sont aussi en 1.6.2. Regardez. Et voilà, c'était Xvecneuf. Allez, ciao, bye bye. Salut à tous, les amis, c'était Xvecneuf. Ça fera juste la troisième fois que je répète. Allez, ciao à tous.